Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 278 et qu'est-ce qu'on va faire? J'ai récupéré mon ancien Opinel quand j'étais ado dans la cave de mes parents. Il est tout rouillé, il est tout moche. Allez, on va essayer de le retaper. C'est parti. Je commence donc avec cet Opinel numéro 10 retrouvé dans la cave de mes parents et que j'avais à mon adolescence. Je protège la lame avec du blue tape, ou plutôt je protège mes mains de la lame et tente d'enlever la virole. Je galère un peu, mais après un peu de persuasion, j'y arrive enfin. Il est temps maintenant de s'attaquer au rivet qui maintient en place la lame. Je décide après quelques essais d'aller m'acheter un set de chasse-goupille avec un succès mitigé. Après quelques coups de lime et marteau, le rivet bouge enfin pour libérer les parties métalliques restantes de notre Opinel. La forme plus ou moins cylindrique du manche le rend difficile à maintenir, peu importe la méthode, donc on fait comme on peut, avant de commencer à poncer le manche du couteau pour enlever le vernis. J'utilise un papier de verre avec un grain 80 et je fais ça à la main. Ici, pas vraiment de raccourci ou de feinte pour aller plus vite, du bon vieil huile de coude et un peu de patience. La lame a subi 25 ans de repos et a quelques points de rouille, donc on va aussi s'en occuper ici avec un grain de 240 pour commencer. Je ponce le manche jusqu'à un grain de 240 et ensuite je trace le contour du cul du manche sur un angle en aluminium. Avant de m'attaquer aux fesses de mon manche, je continue à monter dans les grains sur ma lame et les parties métalliques pour essayer de me débarrasser de la rouille. J'ai décidé de peindre le manche avec un bleu roi que j'appose avec une bombe de peinture. Comme d'habitude, les liens vers tout le matériel sont dans la description. En recherchant sur YouTube comment démonter un Opinel, je suis tombé sur une vidéo d'un japonais qui modifie ses Opinel pour leur mettre une partie métallique sur le cul du manche. C'est ce que je vais essayer de faire ici en découpant un morceau de profilé aluminium. Je perce des aspérités dans le bois et l'aluminium pour donner une surface à laquelle la colle va pouvoir tenir. Avant de mixer de la colle époxy bicomposant, l'appliquer sur la surface et tenir le tout avec des élastiques. Maintenant que la colle a pris, il va falloir enlever le surplus d'aluminium. Et je me reconfronte au même problème, comment fixer le manche qui est rond dans des trucs carrés. J'essaye le Dremel avant d'aller sur ma ponceuse stationnaire, qui est très bien, efficace mais fait chauffer le métal, qui fait céder la colle. Pas du tout la bonne méthode. Deuxième tentative donc. Après avoir coupé un autre bout de profilé, je décide d'utiliser le Dremel pour enlever le surplus de métal avant de le coller au manche. Je refais des petits trous pour permettre à la colle de tenir, et hop, deuxième collage. Après avoir attendu que la colle sèche, je vais tenter d'éliminer le surplus d'aluminium pour avoir une forme harmonieuse avec le reste du manche. Et pour ça, j'utilise mes limes
du papier de verre, parfois le Dremel, tout ce qui me permet de faire ça en évitant de faire chauffer le métal. C'est pas rapide, c'est même long, mais plutôt efficace, et ça me permet surtout d'avoir plus de contrôle sur le résultat. Et puis ça a pas l'air, mais c'est du sport tout ce ponçage et l'image. La transition bois-métal est satisfaisante, mais il reste encore quelques trous et aspérités. Donc je mixe un peu de mastic bicomposant pour remplir tout ça. Après que le mastic soit bien sec, retour au ponçage où je me concentre sur la transition pour avoir une forme homogène et harmonieuse. Je masque la partie métallique et ponce le manche avant de lui mettre une deuxième couche de peinture bleue. Le résultat est pas mal, mais pas encore idéal, donc je prends un papier de verre 500, que je mouille, et je reponce toute la surface. Avant de remasquer le tout, et de remettre deux couches de bleu. En attendant que la peinture sèche, on va s'occuper des morceaux métalliques qui ont été poncés, que je vais tenter de polir. Je commence par une roue en feutre et un premier composant marron que j'utilise avec ma perceuse à colonne. Avant de passer à la deuxième roue et un composant bleu qui polie vraiment le métal. Je n'ai pas de polisseur donc je fais avec, et le résultat est plutôt correct je trouve, pas parfait mais correct. J'enlève le masquage de la partie métallique et masque le manche avant d'aller au polissage. Et ici, je refais le même processus en deux étapes sur la partie métallique du manche. Et on va pouvoir passer au remontage de l'opinel. D'abord la lame, la bague et le rivet. Puis remettre la virole en place. Et voilà, mon nouvel opinel est fini. J'ai particulièrement apprécié ce projet qui redonne une nouvelle vie à mon ancien couteau et en plus lui rajoute un aimant et m'a permis de le personnaliser. Un résultat que je trouve plutôt chouette. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ouh, la 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 la. Eh ben ça donne que c'est carrément pas mal. Je suis plutôt satisfait du résultat pour une fois. La première chose, ça permet de redonner vie à mon ancien couteau, que j'avais oublié depuis 25 ans, soyons clairs. C'est un numéro 10 de chez Opinel, qui date des années 90 ou fin des années 80. Le démontage est relativement simple. La partie la plus chiante, c'est démonter la virole. Mais c'est pas non plus super difficile. Tout se démonte très bien et tout se remonte relativement bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté un bout métallique sur le cul. En fait, je suis tombé sur une vidéo d'un japonais qui faisait ça, et je trouvais ça plutôt joli, et je voulais savoir si c'était difficile ou pas. C'est pas très difficile, ça demande un peu d'huile de coude, mais je trouve que le résultat est vraiment chouettos. Je vous mets bien sûr, dans la description, le lien vers la vidéo originale du japonais qui fait ça. J'ai essayé d'aller un tout petit peu au-delà de mes finitions habituelles, en allant jusqu'à essayer de polir mon opinel. J'ai pas de polisseur, c'est un espèce de gros moteur avec deux roues sur les côtés, mais je me suis acheté un kit de chez Wolfcraft, qui coûte pas très cher, qui doit coûter 15 balles, un truc comme ça, et j'ai monté ça sur ma perceuse à colonne. Ça marche plutôt pas mal, je pense qu'il faudrait avoir une vitesse un tout petit peu plus rapide pour avoir un résultat vraiment optimal, mais en tout cas, par rapport en général au résultat que j'ai, c'est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais j'ai bien sûr mis deux couches de vernis en bombe sur le manche. Moi, personnellement, je suis plutôt super satisfait du résultat. Voilà, c'est à peu près tout pour
le remake de mon vieil Opinel de l'époque où j'étais adolescent. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire mon Opinel. Ça me donne très très envie. En fait, c'est une base plutôt saine pour faire plein plein de trucs. Je pense que je vais m'en acheter un et je vais essayer de refaire un manche bizarre. Bref, c'est une technologie qui est relativement simple, qui est super fiable. Vous avez vu ce... Alors, c'est pas sponsorisé par Opinel, hein, mais ce couteau-là, il a 25 ans. J'ai passé quelques heures dessus et il est comme neuf. Ça me donne très très envie, puisque c'est simple, de refaire d'autres trucs avec des Opinels. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en disant « tu devrais faire ci, tu devrais faire cela ». Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu de pépettes, ce qui nous permet de nous acheter du matériel comme par exemple l'aluminium ou la colle bicomposant et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 278. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous. Et que la barbitude soit avec vous.